Bien ou quoi? Allez, une petite heure, il ne faut pas que je traîne, car les vacances d'été arrivent dans 8 semaines. C'est pas que je suis en retard, mais je suis pas en avance. Ce programme est trop lourd, trop énorme, trop immense. Correction de l'exercice, punaise, on n'avance pas. Il faut absolument que j'attaque le chapitre 3. Gauthier est au tableau, il écrit ses réponses. Il est tout mou, tout lent, moi je voudrais qu'il fonce. Allez, encore une avant d'aller manger. C'est long, moi j'ai la dalle depuis l'heure de la récré. Ce cours c'est un tunnel dont on ne voit pas la fin. Et rien que d'en parler, ça me rappelle que j'ai faim. Correction d'exercice, il faut un volontaire. Je ne suis pas concerné en regardant en l'air. C'est gagné pour Gauthier qui vient d'être désigné. Moi ça me fait rigoler de le voir galérer. C'est le tempo d'une heure de cours. Une heure c'est long, une heure c'est court. C'est le tempo d'une heure de cours. Une heure c'est long, une heure c'est court. Correction terminée, et plus 40 minutes. Il faut que j'accélère pour atteindre mon but. J'écris le titre en gros, puis je l'encadre en rouge. Je me retourne et là, il y a personne qui bouge. Allez, on se dépêche, je dis pour les secouer. Mais la bulle presse en bas, ils sont inanimés. Après 5 grosses minutes, ils posent leur stylo. Dans un silence de mort, je me lance dans la démo. Putain, qu'est-ce que j'ai faim. Je frôle l'inanition. Y'a des bruits dans mon ventre, c'est de la science-fiction. Peut-être qu'un bon chewing-gum, en le mâchant doucement, ferait pour mon estomac office du calmant. J'ose pas regarder ma montre, sur quelle est arrêtée. Ce cours vire au cauchemar et je vais pas me réveiller. Écrire le titre en rouge, moi je préfère le vert. Ce prof est un maniaque à la limite pervers. C'est le tempo d'une heure de cours. Une heure c'est long, une heure c'est court. C'est le tempo d'une heure de cours. Une heure c'est long, une heure c'est court. Je rêve, mais qu'est-ce qu'ils ont? Je parle à des plantes vertes qui photosynthétisent sans bruit la bouche ouverte. Je mets ma main à couper, que pas un a compris. Au contraire, c'est étonnant, ils sont tous endormis. Qu'est-ce que je fais? Je la refais, ça va bientôt sonner. Et j'ai peur que seule la cloche ne puisse les réveiller. Est-ce qu'il y a des questions? Je demande hypocrite. C'est vrai que c'est facile, et je passe à la suite. Ça y est, le prof est parti, et moi, élève indigne. Je ne comprends pas sa langue, je ne lis pas ses signes. Le tableau se noircit, et le bruit de la craie me berce doucement, je crois entendre Morphée. Alors pour passer le temps, je lis mon agenda. Je compte les jours fériés belges, c'est con qu'on les ait pas. Tiens, voilà qu'il demande si on a tout compris. Avec ma tête mollement, je fais signe que oui, oui. C'est le tempo d'une heure de cours. Une heure c'est long, une heure c'est court. C'est le tempo d'une heure de cours. Une heure c'est long, une heure c'est court. Eh bien bon an mal an, je l'avoue que je n'y croyais pas. Mais j'ai eu le temps de finir tout le chapitre 3. Moi c'est ce que j'appelle la classe ou l'expérience. Une telle gestion du temps relève de la science. Eh bien c'est pas trop tôt, mon ventre qui famine. Il était plus que temps que ce cours se termine. La prochaine fois je prends mon lecteur MP3. Trop à fond dans ce qu'il fait, le prof le verra pas. C'est le tempo d'une heure de cours, une heure c'est long, une heure c'est court. C'est le tempo d'une heure de cours, une heure c'est long, une heure c'est court. Il y a le tempo d'une heure de cours, une heure c'est long, une heure c'est court. C'est le tempo d'une heure de cours, une heure c'est long, une heure c'est court. C'est le tempo d'une heure de cours, une heure c'est long, une heure c'est court. C'est le tempo d'une heure de cours, une heure c'est long, une heure c'est court. C'est le tempo.